Pour cet après-midi, encore de la pluie, notamment vers le nord des Alpes ou encore la région Franche-Comté, où on va retrouver, donc je vous le disais, des pluies faibles à modérées et puis une cellule orageuse qui va se former vers les Pyrénées en fin de journée. Attention, hein, ça pourra donner en plus de la pluie, donc quelques coups de tonnerre. Partout ailleurs, ce sera calme et sec avec quelques passages nuageux. Et puis, on peut avoir quelques averses près des côtes de la Manche avec un vent sensible jusqu'à 60 km/h près de la côte d'Opale. Pour les températures, elles seront bien contrastées aujourd'hui. Elles ont bien baissé, surtout par rapport à ce week-end. 19 degrés à Brest ou encore au Puy-en-Velay, 22 seulement en direction de Paris. Si vous cherchez la chaleur, eh bien on la retrouvera en direction de la Corse. Pour la journée de demain, on va se réveiller encore une fois sous la pluie. Dernière journée de mauvais temps. On va avoir de la pluie assez forte tout de même entre les Pyrénées, le Massif central, des pluies faibles à modérées en direction de la Bourgogne-Franche-Comté ou encore vers le nord des Alpes, toujours accompagné de vent mistral et tramontane jusqu'à 60 km/h en rafale. À l'arrière, on retrouve un temps sec et lumineux. Au cours de l'après-midi, eh bien on va retrouver des orages, mais cette fois-ci, ce sera plutôt en direction des Alpes, du Jura également, et toujours ces fortes précipitations des Pyrénées en passant par le Massif central et toujours en direction du nord-est, partout ailleurs. Toujours un franc soleil, surtout en direction de la Méditerranée. C'est le vent mistral et tramontane qui dégage les nuages et qui dégage le ciel. Pour les températures, en matinée, ça baisse bien, 9 degrés par exemple à Rouen ou encore à Brest, 21 entre Marseille et Nice. Et puis au cours de l'après-midi, eh bien, on reste toujours en dessous des normales de saison avec seulement 17 degrés attendus au Puy-en-Velay, 23 à Paris et toujours de la chaleur pour l'île de Beauté avec 31 degrés en moyenne.